Nous engager dans un débat, monsieur? Très bien. Je défends l'affirmative. Prenez le nègre le plus contestataire. Déshabillez-le devant les autres noirs, hommes, femmes et enfants. Roulez-le dans le goudron et les plumes. Attachez ses jambes à deux chevaux dans des directions opposées. Mettez-lui le feu et puis fouettez les chevaux jusqu'à ce qu'il le démembre. Devant les nègres, hommes, femmes et enfants. Puis fouettez et battez jusqu'au sang tous les nègres mâles qui y ont assisté. Ne les tuez pas, mais gravez la crainte de Dieu dans leur peau parce qu'ils pourront servir pour la reproduction. Si quelqu'un sait qui était Willie Lynch, qu'il lève la main. Personne? C'était un brutal propriétaire d'esclaves des Antilles. Comme ceux de la colonie de la Virginie avaient du mal à contrôler leurs esclaves, on leur envoyait M. Lynch leur apprendre ses méthodes. Le mot « lyncher » est formé d'après son nom. Ses méthodes étaient très simples, mais très diaboliques. Garder l'esclave fort physiquement, mais faible psychologiquement et dépendant de son maître. Laissez-lui son corps, prenez son esprit. Moi, ainsi que tous les professeurs sur ce campus, sommes ici pour vous aider. Vous aider à vous faire retrouver votre faculté de penser. Parce qu'il semble évident que vous l'avez perdue. C'est tout ce que vous avez à savoir sur moi, Monsieur Lowe. Le cours est terminé.